Hello les amis, nouveau let's play Harry Potter et la Chambre des Secrets sur GameCube. Ce jeu date de 2002. J'ai eu le temps depuis de tout perdre. Je sais pas si je vais retrouver mes marques. Oh là, c'était moins une. Ah, c'est Quidditch. Ça me donne envie de revoir tous les films Harry Potter. Enfin, du moins les 4-5 premiers, les 4-5 premiers films, parce qu'après je trouve que c'est moins bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous pouvez mettre dans les commentaires vos impressions. Alors, bah déjà on va mettre en français le jeu, ce sera mieux. On va aller dans options. Alors, langage. Voilà. Français. Mince, pardon. Est-ce que j'ai bien mis français? Oui, c'est vous. Hop. C'est parti. Déjà, j'ai pas réussi le Harry Potter 1. Je suis bloqué au niveau des petits monstres là. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Des gremlins, un truc comme ça. Comme vous pouvez voir sur mon gameplay. Hein. Ok, bah bonjour le terrier. Vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude? Les liquides, pas le moindre mot, la voiture disparue. Mais maman... Un accident, folle d'inquiétude. Vous en fichez. Mais maman... Maintenant, vous allez immédiatement dégnommer le jardin. J'en ai plus qu'assez de vous tous. Oh, je ne dis pas ça pour toi, Harry. Tu n'y es pour rien. A l'air de bien mimi. Je ne sais pas, Ron. Je suis resté longtemps chez les Dursley. Je dois manquer d'entraînement. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, les voix. Derek, c'est la voix du vrai... du même Harry Potter qui double dans le film. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est le cas. Hein. Vise le pont en verre. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, c'est fait. Quand tu seras prêt. Ça doit être les mêmes doublures qui font les voix dans le jeu. Alors, c'est quoi ça? Ok. Ah oui, ça c'est les choses à faire. Là j'ai cassé un truc, ok. Là faut que je retrouve les autres. Là. Ouais, ça. Les gnomes ont tout envahi. Des gnomes. Ils sont sur les poutres. Gnome, gnome. J'arrête même pas le dire. Ça doit être gnome. Non pas gnome. Tiens, prends ça. Ah, merci pour les dragées. Non, s'il vous plaît. Deux de moins, Ron, voyons. C'est pas compté ou quoi? Attends, j'ai une dragée là, j'ai cru voir. Elle est où? Ah bah elle est plus là.
Ah, y a un petit canard là. Harry, je te présente notre machine à laver. Hein? Bah, elle est belle la machine à laver. Essayer de lui jeter un sortilège. Il aurait mieux fait de l'acheter tout court. C'est l'occasion rêvée de s'entraîner au duel. Au duel? Repère bien quand la machine à laver ouvre sa porte. Tourne autour d'elle et lance un flipendo quand la porte est ouverte. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que j'ai compris? Vas-y, ouf, toi. Je t'attends. Tu t'ouvres, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais j'ai des trucs. Ouh. Attention! Oui. Oh là 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 là. Seigneur. Vas-y, ouvre-toi, là. Voilà. Oh, oui. Oui, j'ai bien compris ça. Mince, j'ai loupé. Attention ! T'inquiète, Ron. Tiens, ben, c'est lui que je vise en plus. Mais là, à chaque fois, il se referme avant que j'ai le temps de d'attaquer. Ah ! J'ai envie de me prendre des trucs dans la figure. T'en fais pas, elle mord pas. Enfin, pas trop. Mince. Pas facile. Si c'est facile, mais bon, je galère. Ah, encore une fois, et c'est bon, je pense. Commence à fumer. Tiens, c'est bon. C'est bon, je t'ai eu là. Dégage. La tête de ma tante devant une machine pareille. On dirait que tu as besoin d'un chocobo grenouille. Tiens. Il faut assommer la grenouille pour pouvoir l'attraper. Bon, allons chasser le gnome. Ah ouais, d'Harry Potter. Il a chambre des secrets, il n'y avait pas besoin d'attaquer la grenouille pour la manger. J'aimais bien faire ça quand j'étais qui les lancer là. Je parie que tu lanceras pas ton gnome aussi loin que Fred. Et que tu n'arriveras pas à toucher une des cibles du champ là-bas. Mais est-ce que je vais me débrouiller aussi bien qu'à l'époque? Que même avec le syndrome Peter Pan, hein. Oh là! Non. Buisson. Je vais lancer dans le buisson. Oh non. Bah, je l'ai quand même envoyé au-dessus du mur. Hein, mais c'est pas ça. Ah bah je leur ferai après alors. On essaiera de faire mieux. Là j'ai fait n'importe quoi. Mince, ramasse, ramasse. Je ne suis pas si attentif à ce que je fais. Que je me concentre. Numéro 8, Derwent Shrimpling. Ok. Mais avant, je refais. Bah,
Je le referai après, justement, parce que là, j'ai pas terminé le premier jet. Normalement, faut que je touche le truc, le foin là-bas, là, et puis le... Quand j'y arrive... Je touche l'épouvantail et le truc avec le foin, le gros tas de foin. Pour gagner plus de points. Ça, c'est du grand art. Bon, mais sauf que je vise pas le... Ah, oh, eh oh! C'est pas gentil, toi, hein. Remarque que j'ai oublié de lui lancer un sort, je voulais le ramasser tout de suite. Quoi. Un petit peu normal, hein. Ah! Non. Génial. J'ai cru que j'allais toucher le truc, mais non. Il est tard, les garçons! Au lit! Déjà? Il fait encore jour! La voie 9-3-4, pour quelqu'un qui n'avait jamais dégnommé un jardin, tu t'en sors bien, Harry! Presque aussi bien que Gilles de Roy Lockhart. Merci, Madame Wesley. Tu mérites bien un choco-grenouille. Je vais essayer de faire mieux quand même. Avant de repartir. Tu trouves que c'est du grand art. On a même pas touché les trucs, quoi. Je suis peut-être un peu loin. Ah, mais j'ai touché l'épouvantail. Quand même. Mais j'ai plus le truc en vol. Ah si, j'ai les... Je pense que ça doit être les scores. Ça, c'est du grand art. Ok, encore un coup. Comment je fais pour partir ensuite? Attendez, j'essaye de comprendre là. Fin de la journée. Ah oui. Alors j'essaye de comprendre. Ah voilà. Madame Wesley les réveilla de bonne heure. Elle prit un pot de fleurs vides sur la cheminée. Tout le monde prit une pincée de poudre de cheminette. Mais Harry ne s'était jamais servi de la poudre de cheminette. Et quand il jeta la poudre dans la cheminée, il avala un nuage de cendres. C'est pas propre. Chemin de traverse. L'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. Ouais, bah un peu comme dans le film, quoi. Ça vaut être des jeux rétro, je trouve, qui sont vraiment géniaux quand même.
Alors. Bon, on visite un petit peu hein, pendant qu'on y est. Oh là, c'est quoi ça? Pour te faufiler, oriente doucement vers l'avant le stick directionnel. Merci pour le trajet. C'est quoi le truc là qui... Voici un parchemin de sauvegarde. Ah, c'est pour sauvegarder ça, ok. Est-ce que je peux sauvegarder alors? Veux-tu sauvegarder ta progression jusqu'à ce point? Oui. Alors... Je peux passer là? Il y a un passage secret. Oui, c'est un passage secret. Ah non, c'est pas un passage secret. C'est une cachette. Lucius et Drago Malfoy. Ne touche à rien, Drago. Ah, Monsieur Barjot. Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir. Le ministère de la magie multiplie les perquisitions et j'ai, disons, quelques objets qui pourraient me causer des désagréments. Objets que vous souhaiteriez vendre? Exactement. Je vous attends demain au manoir pour les prendre. Au revoir. Au revoir, Monsieur Malfoy. Il porte bien son nom, hein, Monsieur Malfoy, parce qu'il a mauvais foi. Bien, alors, ah si je pouvais aller, il y a un passage là-bas. Attendez, il y a un truc. Ah, ok. C'est ça qui m'avait fait reculer tout à l'heure. Ils sont partis par où? La tête de mort là. Bon, je pense qu'il faut déjà aller plus loin. Oh, on est dans les égouts. Une tête de mort. C'est Halloween avant l'heure. Je regardais si ça explosait ça. Mais... Ah, c'est un peu de sac. On dirait. Je dirais que c'est un cul-de-sac. Ah, faut pas que je m'approche du truc, c'est vrai. Alors là, c'est une tête de mort dans le film, c'est une grosse main là. La première fois que j'avais vu le film, j'avais sursauté. Moi j'avais 10 ans à ce moment-là, je pense. Ou moins, je sais pas. Il n'y a plus. Alors, je sais pas par où je dois passer. Là. Ils sont passés par où, j'ai pas fait gaffe. Je peux pas reprendre la cheminée. Il y a une porte là. Esquiver, bah esquiver quoi. Je cherche. Arrête de crier à chaque fois que tu passes devant. Il y a un truc qui m'échappe. On va retourner voir par là. Je suis bloqué là. Jaillou. Ah les gars, si je vous avais en direct avec un chat là, ça irait deux fois plus vite. Vous pourriez m'aider en direct. Alors voilà, je sais pas par où sortir.
je veux bien qu'il y a un rideau, mais... Attendez, je sais ce que je vais faire, je vais regarder sur le truc. Je suis comment pour... Ah, ça c'est pour changer le... Ok, ça c'est bon ça. Et là c'est... Ah, ça c'est la carte. Ok. À faire, récupérer le livre du sort. Ah ok, c'est le truc, le livre qui m'attaque là. Ok. Donc je sais pas comment faut faire, mais on va voir. Peut-être qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille tout doucement, peut-être, je sais pas. On va voir. Peut-être qu'il faut que je vise d'ici, peut-être que je peux, on va voir. Je vise bien, Harry. Non, j'ai dit de bien viser, pas dans le meuble. Bon, apparemment, on va essayer autrement. Et tout doucement. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bon, fallait avancer tout doucement et ramasser. Tout simplement. Un peu avec, un peu comme avec les nuls. Tu as acquis un nouveau sortilège. Tu peux l'assigner à la commande en appuyant sur les touches ou un équipement à partir de l'écran inventaire de ton rappel tout. Ok. Là, je le mets là alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je le mets là. Ouais, c'est bon. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais si, c'est la main du film. Il m'avait fait sursauter. Alors maintenant que j'ai pris le livre. Utiliser un sortilège pour trouver la porte cachée derrière un meuble. Ok. Je m'en doutais qu'il y a un passage secret encore. Alors. Derrière un meuble. Ici, là. Ah. Ah, mais c'est la main qui m'attaque. On va essayer ailleurs. Ah, j'ai mal fait. Faut pas que j'aille plus trop longtemps. Quoi. Ah, c'est là. J'aurais plus dit un meuble contre le mur, hein, mais... apparemment. Ah, en fait, c'était pas celui-là. Il y avait juste un objet dedans. Ok. Zut. Bah, pourquoi ça s'est éteint? J'ai appuyé trop longtemps. Faut que tu m'y fasses. Hein. Ah, c'est quand j'appuie sur le bouton vert, ça s'en va en fait. Ah, pas non, c'est comme ça.
Ça peut pas être là, il y a pas d'armoire ici. Hein? Pas que. Ah bah si, c'était là. Mais c'est un mur, hein, c'est pas une armoire, ça. Je m'étonne que je trouvais pas. Je suis où, là? Ça s'ouvre pas, ça. Ah. Encore. Ah non, c'est pas un limousse qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Au secours. Il faut pas que ça me touche, je pense. Ah, je me souviens plus du tout du jeu, hein. Ça fait tellement longtemps. Bon, après, j'essaie de... C'était sur la PS1 que j'avais à l'époque. J'essaie de faire tomber les... Ah, les vases. Il me faut une choco-grenouille. Non. Ah, j'ai perdu plein de vie, là. Je vais mourir. Non. Oh, je me fais toucher encore une fois et c'est bon, je suis mort. Sorry. J'essaye de... Ah. J'arrive même pas à me... Mais non, c'est pas ça que je voulais. En plus, qu'au fond... Ah bah bravo. Ah, je l'ai touché. Normalement, c'est bon. La voie est libre. Il faut des choco-grenouilles. C'est urgent. Il est là. Merde. Il est juste... Ah ouais, va dedans, va dedans, va dedans. Ah, faut que je le mette dedans. Tous les coups. Non, mais non. Faut le ramasser. Ah, oh, c'est pas vrai. Bon, on va refaire. Je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Il fallait que je le ramasse. À la place, j'ai mis un sortilège. N'importe quoi. Si ça se trouve, il va falloir que je refasse à partir des bouteilles. Non, c'est bon. Est-ce que je peux le ramasser là? Là oui. Dans celui qui est ouvert. Mettre en cage, c'est ce que j'essaye de faire. C'est bon. C'est bon là? Ouais. Ensuite. J'ai vu des petits trucs là. Je vais essayer de passer par là. Ah, c'est un mur. Là, je vois qu'il y a quelque chose là-haut. Est-ce que je peux grimper sur un mur? Ouais. Il y a des trucs qui brillent. Ah, je peux plus passer par-dessus. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ah, voilà. Enfin, je sais pas, mais... En tout cas, je peux grimper, là. Est-ce que je peux aller là? Non. Peut-être là. Ouais, voilà. C'est moi, j'ai trouvé. Oh là là. J'en mets du temps. J'en mets. Alors, je regarde bien autour de moi, hein, les gars. Je préfère être vigilant. Voilà, c'est ça que je voyais, les trucs qui brillent. Je vais regarder là-bas avant. Ce qu'il y a. Il y a une brocante avec tous les meubles.
Non, bah, y'a rien, bien. Non. Je vais voir si ça souffle, ça. Bon, ça souffle pas. Ah, il vit du hibou. Besoin d'un coup d'aile de hibou? Alors pourquoi ne pas leur donner du délicieux Miami Boo? Cette friandise vous garantit les meilleurs résultats. Ok. Je fais comment pour lui donner ça? Là-dedans peut-être. Je sais pas du tout de quoi il parle. Mince, j'ai fait un truc. Voilà. Sortilège peut-être. Alors, apparemment, faut que je trouve une friandise. Je pense. Mais je n'ai pas sur moi. Faut que je trouve ça quelque part. Mais je sais pas où. Et ça, c'est quoi ça? Est-ce que je peux ça? Non. Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est un Miyaibu, je sais pas quoi là. Ok, donc. Hein, je peux faire un gros zoom dessus. Eh, tu nous embêtes, toi, hein. Je sais pas où elle est, ta friandise. Je vais faire humus un peu partout, on va voir. La tête de mort, non? Il a pas osé s'y sauter. Je peux plus monter là apparemment. C'est même pas écrit, c'était pas écrit tout à l'heure ce que je dois faire. Ouais, trouver ça, c'est fait ça parce que c'est coché. Là, d'après ce que j'ai compris, c'est trouver une friandise pour le hibou, mais alors pour l'église, mais je sais pas du tout où c'est ça. C'est mieux regarder, même là où il n'y a pas de meubles. Limos!
Et j'ai regardé partout, wesh. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un truc qui m'échappe. Quoi. Il n'y a pas d'illumos cette fois. Il y en a tellement marre. Vas-y, grimpe. On va retourner là-haut. Bon, ça c'est juste une bougie apparemment. Je galère. J'y arrivais mieux que ça quand j'étais petit. Je sais pas comment je faisais mais... Parce que là c'est pas évident de comprendre. Pourtant j'ai bien récolté toutes les infos. Enfin je pense. Ça se trouve, c'est un truc tout bête. Et j'espère que je suis pas en manque de munitions et des trucs comme ça, parce que là... Ah bah ça s'ouvrait, ok. Mais c'est bizarre, tout à l'heure quand j'appuie ça avait rien fait. J'aurais peut-être pas dû appuyer sur le bon bouton. Donne lumière. Et c'est bon, bah j'ai trouvé. Ah bah quand même. Ah là, on en a mis du temps. Ah, attendez. Voilà. L'objectif. Tiens, j'ai trouvé ta friandise. Bon appétit. Génial. Ah, merci Edwige. C'est cool. Vas-y, prends les escaliers. On se casse. Je tape dans la caméra en plus. Numéro 98, Daphna Furmèche. Ok. Tout à l'heure, il y avait des coffres, mais ils s'ouvraient pas. Et là, maintenant, il y a des coffres qui s'ouvrent. Oula! Je m'y attendais trop pas. Regardez en bas. C'est de là où j'arrive de toute façon. Ouais. C'est là où j'étais tout à l'heure. Ah! Oh non! Sérieux! Ok, là on a plus qu'à y retourner. Il y a des trous dans le sol. Ça me fait trop penser à de l'urbex. Je sais pas si vous connaissez. C'est une visite d'endroits de lieux abandonnés. Ça se fait beaucoup sur YouTube. Sauf que les gens ils tombent pas dans les trous quand même. Ils sont vigilants. Pour la plupart. Alors. On va faire hyper gaffe. J'entends des bruits bizarres. Depuis tout à l'heure. Ah, peut-être passer dans le petit trou de souris là. Est-ce que je peux? Ouais, c'est bon. Peut-être plutôt un truc comme ça, tu vois.
Moi, je tire partout, moi. Je suis fou. Alors... Ok, on va prendre les escaliers. Pour rester discret, tu peux te faufiler en te plaquant contre les murs. Sache que lorsque tu atteins un angle, tu peux lancer un sortilège. Oula. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? On va faire attaquer, c'est ça? Je peux pas passer là, apparemment. Est-ce que je peux voir? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il y a un coffre là-bas, à mon avis. Il faut déjà là-bas ouvrir le coffre. Bon, là, ce que je fais, ça sert à rien. Allez, grimpe. Enfin, je sais pas s'il peut. Apparemment, il peut pas grimper, là. Ok, ouais, il peut pas, apparemment. Je vais regarder sur le... Ah, il y a rien encore, pour le moment. Je pense pas qu'il faut que je reprenne les escaliers ici. Ah, une dragée. Encore une. Il y en a plus ? Il y en a. Il y en a plus là. Alors. Ah. Ah oui, non, ça c'est pour... Ah oui, d'accord. Ah, si ça se trouve, faut que je passe comme ça. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok, c'est ça qui me disait en fait tout à l'heure. Ok, je comprends maintenant. Parce que moi j'essayais de grimper, mais en fait... passer entre les boîtes tout simplement. Chemin de traverse fermé à clé. Ah, faut que je trouve une clé. Hein. Et je suis sûr que c'est là où il y a le coffre que j'ai vu. On va essayer d'y aller. Ah, vas-y, reprends comme ça. Voilà. Par contre, je fais comment pour y aller, c'est ça le truc. Ça peut être que là. Hein. Est-ce qu'on voit une clé là? Moi, je vois pas de clé, mais j'ai vu un coffre. On va remonter. Y a rien de spécial ici. Bien de faire demi-tour. Je crois que je ne suis pas allé ici. Hein. Ah ouais, mais c'est fermé, on dirait. Je vais pas ouvrir. Comment je fais pour rentrer là-bas? J'essaye de voir si des passages secrets. C'est pour ça que je cours contre le mur. Je regarde si c'est écrit là ce que je dois faire. Non. Donc je sais que je dois trouver une clé, mais je suis sûr qu'elle est là-dedans, mais j'ai pas trouvé comment y aller encore. Donc, bah faut chercher, hein.
Je me souviens plus du tout du jeu, moi. Je me souvenais un petit peu du... de la machine à laver, là, et les gnomes. J'arrive même pas à le dire. Et de quelques passages du jeu, mais ça, je... ça fait tellement trop longtemps. C'est fermé à clé. Ouais, j'ai bien compris ça. Lumos. Oui. Ah, regardez, ça se déplace. Mais non, mais remue-le pas. Voilà. Oh. On a trouvé. Ah, c'était ça. Ok. Ça demande pas mal de logique, ce jeu, hein. De recherche et de logique. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ouais, il y a la clé, je parie. Non, même pas. C'est pas une clé, ça. Hein. Ah. Numéro 5, Gulliver Pogby. Ouais, après, faut que je pense qu'il faut que j'appuie là-dessus. Là. Et là, j'aurai la clé. N'est-ce pas? Ah, pas besoin de clé finalement, ça s'est ouvert comme ça, sans enlever les planches qui empêchaient de passer. Normalement on peut y aller sans souci maintenant, enfin, j'espère. Et qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette porte? C'est quand qu'on va voir Hermione et Ron? Enfin Hermione on l'a pas encore vu. Ça, ce sera quand on sera à Poudlard. Là, on n'y est pas. Ah, là, ça va être les magasins, là. Écoutez, les gars, on va finir cette première partie ici. Et on va poursuivre au prochain épisode.